Il m'aime. Il m'aime pas. Il m'aime. Il m'aime pas. Il m'aime. Il m'aime pas. De toute façon, je savais, c'est la merde ce truc-là. Qu'est-ce qui est impulsif, puissant et parfois illogique? Alors non, évidemment, je parle pas de ton mec, mais bien de tes émotions. Oui, je commence avec une blague nulle. Mini disclaimer avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo qui va parler de psycho, amour et de petits trucs. Il faut savoir qu'en psycho, tout évolue au quotidien, que je ne sais pas tout. Et après, si je fais des erreurs aussi, je précise pas assez bien certaines choses, vous pouvez me le dire en commentaire. En plus de ça, c'est hyper enrichissant parce que je sais que des fois, j'ai un petit peu du mal à synthétiser et un petit peu à retranscrire tout ça. Donc voilà, la barre de commentaires est ouverte, c'est pour ça. Sur ce, je pleurais tout le temps pour rien, tout le temps, j'arrivais pas en fait à reprendre le dessus sur ma vie, j'étais tellement dévastée. Oh, c'est atroce ce que je vais vous raconter par la suite. La magie du premier amour, c'est de croire qu'il durera toujours. On va commencer cette vidéo sur une petite histoire que tu as peut-être malheureusement déjà vécue. T'es tranquillement posé sur ton canapé, t'es sur Instagram, tu scrolls, jusqu'à tomber sur une photo d'une fille que ton copain a likée. Et là, tu cliques sur la photo de profil, tu vois qu'il la suit et qu'il aime toutes ses photos. Là, tu sens ton petit cœur qui bat, tes petites joues devenir chaudes, t'as une montée d'adrénaline puissante et t'as qu'une envie, c'est de l'appeler et de lui dire « Tu sais quoi ? T'es vraiment qu'une pauvre merde. » Drama queen activé. Ce qui vous traverse à l'instant T est une émotion. Principalement une émotion de colère. Qui commence par la surprise, la peur, ensuite l'énervement et qui peut terminer en tristesse. En soi, c'est quasi la palette entière des émotions que votre cerveau vient de vous faire subir. Il y a deux autres émotions en plus qui est le dégoût et la joie. L'émotion est un ressenti qui s'active en fonction des facteurs exogènes. Même si des fois ça s'active de façon démesurée comme quand il s'agit de likes sur Instagram. Un ressenti, c'est l'expression physique de vos émotions. Par exemple, les joues qui deviennent rouges, le cœur qui bat, etc. Et c'est à différencier de l'humeur qui est un état affectif déclenché de façon lente, d'intensité faible et parfois prolongée dans le temps. L'humeur en soi c'est plus un trait de personnalité par exemple, vous pouvez être globalement d'humeur triste ou énervée la plupart du temps, qui peut être en soi pathologique parce que c'est pas bien d'avoir une humeur négative H24. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que la colère est le mouvement de l'âme le plus compliqué à maîtriser puisqu'on y trouve une certaine euphorie, une certaine force, comme si en 2 secondes on devenait... En déesse de la mort. Oui, c'est actuellement la combi de Hela dans Thor. Comme ça, je rentabilise mes déguisements. La peur aussi peut nous pousser à faire des trucs de ninja. Donc imagine que t'as peur et en plus de ça, t'es en colère, donc vaut mieux pas te croiser le matin. Enfin bref, retournons à nos moutons. Bon, suite à ça, il y a une multitude de choix à faire, mais on va se concentrer seulement sur 2. Issue numéro 1. Tu as réussi à contrôler ton émotion passagère qui s'est peut-être transformée en doute. Mais comme tu as réussi à te calmer, tu écris à ton copain en lui demandant qui c'était de façon calme et zen. Oui, ce qui en soi demande une énorme maîtrise de soi-même. Dans l'issue numéro 2, tu n'as pas contrôlé ton émotion, elle est devenue ingérable et a pris le dessus sur toi. Donc face à cette émotion, le seul moyen que tu trouves pour décharger ta pulsion, c'est de l'insulter de tout. Alors oui, évidemment, s'énerver à beaucoup, ça fait du bien. Mais faites attention parce que trop d'émotions, de colère ou de tristesse peuvent devenir pathologiques. Bon, quoi qu'il en soit, tu discutes avec monsieur et là, d'un coup, tu te dis « Mais oui, c'est sa cousine, je suis trop conne !» Et là, ton émotion, elle redescend et tu vas commencer petit à petit à te calmer. Je sais pas si tu as déjà failli avoir un accident, mais quand tu as passé l'accident et que finalement tu l'as pas eu, eh bien ton corps eh bien, est tout mou, tes jambes c'est du coton et il te faut quelques minutes pour reprendre le dessus sur tes émotions. Et à l'inverse, si monsieur ne te rassure pas sur ce que tu ressens, ne rassure pas ton émotion, eh bien le sentiment va devenir celui du doute et ça va entraîner petit à petit une relation toxique. Donc on communique, on parle et on essaye de bien le faire parce que c'est facile de communiquer, mais il faut communiquer de la bonne manière. Bon, j'ai utilisé le mot émotion et sentiment, mais grosso modo, c'est quoi la différence entre les deux? Les émotions sont celles qui te donnent envie de pleurer, de faire le ninja, de partir en courant, de faire un câlin, sont contrôlées par le système limbique qui est donc inné. On peut dire que c'est archaïque puisqu'on ne les contrôle pas et qu'on les a depuis qu'on est des toutes petites crevettes. C'est pour ça qu'il est primordial d'expliquer et d'apprendre aux enfants ce que c'est les émotions. Donc en gros, là, t'es bien énervé à cause des likes de ton gars et dans ta tête, ça fait... Monsieur Hébert Simon, spécialiste de la psychocognitive, nous explique en gros que nos émotions sont semblables à des interrupteurs. L'émotion est donc ultra rapide, c'est une pulsion qui nous pousse à faire des choses et qui nous donne énormément d'énergie pour les réaliser. Et en gros, dès qu'on a compris qu'il y a un danger, on se retourne, on essaye de comprendre, de l'identifier, et si on s'aperçoit que c'est rien, eh bien on va avoir un sentiment par exemple de peur. A l'inverse, le sentiment c'est dans le lobe frontal, c'est le fruit de la pensée abstraite. C'est verbal puisqu'on peut expliquer ce qu'on ressent, nos sentiments et on est un peu plus posé. En fonction des sensations, les sentiments peuvent évoluer, même si elles restent souvent ancrées puisqu'on a tendance à s'enfermer dans le passé. Bah oui, par exemple, un chat, il va dehors, il essaie d'attraper une souris, il la loupe, c'est pas grave, il rentre chez lui, il se lèche les fesses et il dort. Après, personne ne lui rappelle. Toi, à l'inverse, si tu dis une bêtise ou tu fais une bêtise, tu vas t'en vouloir, tes parents vont te gronder, tes potes vont se moquer de toi, et tous les ans, tu vas entendre dire « Et toi là, tu te rappelles quand t'as fait ça ?» Bah oui, tu me le rappelles tous les ans en fait.
Allons directement dans les années 90 et parlons des marqueurs somatiques de Damasio et Bachara. Ah ben oui, tu voulais parler de psycho, là t'es servi. Hein. La théorie des marqueurs somatiques de Damasio explique que nous sommes souvent mis face à des situations qui requièrent de faire un choix. Oui, bon ça on le sait tous, merci. Mais qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans? Si toi aussi tu sais pas faire des choix, tape dans tes mains. Toi aussi tu sais pas faire, si toi aussi tu sais pas faire des choix, tape dans tes mains. Donc reprenons ensemble l'histoire des likes et de ton mec. Tu as donc plusieurs choix qui s'offrent à toi, beaucoup de choix, mais tu dois choisir comment réagir à l'instant T. Donc dans ta tête ça va aller super vite, il y a des connexions qui vont se faire, il y a tout qui va s'agiter. Tu dois en gros évaluer les avantages et les inconvénients de toutes tes propositions. Du style, si je l'insulte, ok ça me fait du bien, mais bon ça dégrade un petit peu la situation. Ou du style, je dis rien, je garde ça pour moi, mais je sais que si je le garde pour moi, je vais le garder sur le cœur. Bon, logiquement, vous devez prendre des décisions au quotidien, hein, ça se fait de façon automatique, pas besoin de s'y pencher 3 heures. Bien avant que vous ayez entamé le processus de raisonnement devant vous mener à la solution du problème, quelque chose d'important se produit. Là, donc, t'es assis sur ton canapé et tu sais pas trop si tu dois le tuer ou pas le tuer vraiment. Eh bien, lorsque tu visualises dans ton petit esprit, même fugitivement, la conséquence négative d'un choix que tu peux faire, tu ressens une sensation déplaisante. Donc là, t'es à l'instant T, t'as juste envie de le tuer, tu dis bon, ok, je vais le quitter, et dès que tu penses à ça, dans ton ventre là, il y a une petite boule qui se forme. Eh bien, c'est normal. Et comme tu ressens ça directement sur ton corps, eh bien, Damasio associe ça à la perception d'un état somatique. Les cellules somatiques, c'est toutes les cellules du corps, sauf tes gamètes. La simple pensée de quitter ton copain s'inscrit alors dans ton cerveau en l'associant avec ton mal au ventre, et donc ça devient un marqueur somatique plutôt négatif. Marqueur somatique parce qu'il est marqué dans ton esprit. Les sensations désagréables sont en quelque sorte nos feux rouges. Ça nous avertit d'un danger potentiel. Donc, quand on écoute son corps, eh bien, souvent, on prend un autre chemin. Et c'est pour ça que ça sert à rien que tu dises toujours à ta pote de quitter son mec parce qu'il y a peu de chances qu'elle t'écoute. D'après cette théorie, le nombre de choix qu'on peut faire au quotidien est donc limité par ces marqueurs somatiques. En conclusion, quand vous vivez quelque chose, vous l'associez donc soit avec un fer rouge, soit avec des petits cœurs dans votre cerveau. Et dans notre prise de décision, on a tendance à aller vers les petits cœurs. Ces marqueurs fonctionnent même dans le cas où un choix entraîne d'abord des désagréments qui conduisent ensuite à une issue positive. Par exemple, dans les relations à longue distance. La visualisation de cette issue positive de retrouver votre crush vous aide donc à supporter le moment difficile. Et ce qui est dingue, c'est que la non-perception de ces sensations nous met dans l'incapacité de faire des choix les plus adéquats. Mais bon, je vais pas parler de ça 3 heures, moi je trouve ça incroyable, mais si jamais il y a des recherches empiriques qui ont été faites avec des expériences sur des gens qui ont eu des accidents, etc., c'est super intéressant, je vous mets ça en barre d'infos. Ah, c'est bien fait le cerveau, hein. Évidemment, vu que c'est une vidéo sur les émotions, je voulais aussi vous parler de l'intelligence émotionnelle, mais je me suis dit que j'allais vous faire un article sur le blog de Meilleur et Salovey. C'est aussi sur le blog leachou.fr, puisque je me suis fait voler le.com. Bon, c'est quand qu'on parle d'amour, là? Bref, on a compris ce que sont les émotions, les sentiments, mais au final, l'amour, c'est quoi? Est-ce que être jaloux, maladif, c'est vraiment de l'amour? Est-ce que si je fais ça, je suis vraiment amoureuse? Bref, il y a plein de questions sans réponse. Mais après pas mal de recherches, en fait, il n'y a pas vraiment de concept qui parle d'amour, puisque l'amour, c'est évolutif, ça dépend des sociétés, de l'époque, de la culture, de nos religions, etc. Et il n'y a pas de vérité absolue sur ce qu'est l'amour, en fait. Ça, vraiment, ça dépend de ce que vous faites, de ce qui vous êtes, etc. Donc arrêtez d'écouter les top 10 des vidéos qui vous disent comment savoir si l'amour de vous parce que c'est du bidon. Alors oui, on va parler du concept d'être amoureux, de l'amour, parce que je sais que vous posez énormément la question de savoir la différence entre être amoureux et l'amour. Mais avant ça, on va quand même regarder ce que les psychologues sociaux ont dit, notamment Rubin en 70, sur l'amour. Oui, parce qu'avant ça, ils étaient un petit peu en guerre, ils avaient d'autres problèmes que de savoir ce que c'était aimer. Rubin, lui, a mis en place une échelle de l'amour et une échelle de l'amitié. En soi, un truc qui me laisse archi perplexe. Pour Rubin, dans l'amour, il y a 3 composantes principales. En numéro 1, il y a l'attachement à une autre personne. On a besoin de l'autre pour satisfaire ses propres besoins de bien-être et de bonheur. Alors oui, c'est dans les années 70, évidemment, aujourd'hui c'est très 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 différent. La préoccupation de l'autre, don de soi et engagement à maintenir la relation, et numéro 3, un sentiment d'exclusivité vis-à-vis de l'autre. Contrairement à l'amitié qui est plus réaliste, pour lui, l'amour c'est plus idéaliste. Ensuite, nous avons Sternberg qui nous a fait l'échelle triangulaire de l'amour, qui est en gros un triangle avec l'intimité, de la composante affective, on se sent proche lié à l'autre, l'engagement et la passion. Et pour terminer, nous avons celui de Fer en 88, qui lui a plus travaillé sur la passion. Pour lui, un couple, il doit y avoir de la confiance, de l'honnêteté, de l'amitié, de la loyauté et de l'engagement. Et n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses, quels sont pour toi les piliers de l'amour, est-ce que finalement l'amour c'est pas sociétal, est-ce que le mariage c'est vraiment un acte amoureux ou c'est un truc de religion parce qu'à la base c'était pour échanger des terres, etc., etc. Dites-moi ce que tu penses de l'amour, même si c'est un sujet si vaste qu'on pourrait en faire 3 vidéos. De ce qu'on comprend, l'amour c'est un partage, de la confiance et un engagement. Donc si on devait comparer à ça, on comparerait plus l'amour à un sentiment. À l'ancienne, il me semble que j'avais vu qu'en gros on pouvait savoir s'il y avait encore de l'amour et que l'état amoureux était passé après environ 9 mois de relation. Après, ça dépend si vous vivez avec la personne ou si c'est à distance, etc. Mais à peu près à environ 9 mois, vous pouvez savoir s'il y a vraiment de l'amour ou si c'était juste de
l'état amoureux. Et à l'inverse, on pourrait comparer l'état amoureux, être amoureux, à une émotion, puisque c'est illogique, puissant, et qu'on peut pas le contrôler, qu'on devienne complètement gaga. Parce qu'en gros, il y a la noradrénaline et plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, l'amour est une fonction supérieure, un phénomène cognitif avec une dizaine d'aires cérébrales corticales hyper spécialisées. C'est incontrôlable, on peut ressentir les choses, mais beaucoup d'autres choses se passent dans notre corps, sont analysées par monsieur le cerveau sans que nous soyons au courant. Et en gros, l'affection est un état naturel qui apparaît assez rapidement. À l'inverse de l'amour qui se construit et s'entretient. Dans certains cas, l'affection se transforme en amour, dans certains autres cas, l'affection ne se transforme pas en amour, dans d'autres cas, vous aimez quelqu'un, il vous aime pas en retour. C'est la vie, on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne contrôle pas ce que c'est l'amour. Parce que oui, on peut avoir de l'affection et de l'attachement pour une personne sans avoir de l'amour pour celle-ci. Oui, parce que moi-même, des fois, je me questionne et je me dis, bon, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes pas? Est-ce que c'est l'état amoureux? Est-ce que ça ne l'est pas? Non, parce qu'on nous sert tellement de soupe à travers les films, les séries, les livres, etc. de ce qu'est l'amour. Quand vous vivez vraiment au quotidien l'amour, vous vous dites... ces réponses que j'ai trouvées et qui est la meilleure pour moi, c'est lâche prise et vois ce que ça donne. Des fois, c'est un petit peu dangereux. Bon, à partir de ce moment de la vidéo, ça sera plus des concepts de psycho ni des trucs que j'ai lus, mais mon ressenti personnel de bébé Tino et de, voilà, de mon vécu, de mes recherches, etc. Mais ça engage que ma petite personne, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la suite de la vidéo. Moi, je pars du principe où en amour, on n'est pas obligé de faire ce qu'on nous a appris ou ce qu'on a vu à la télé, etc. Je pense que l'amour, ça se construit en fonction des gens, en fonction des personnes, en fonction des cultures, etc. Et que tant que les deux sont d'accord avec ce phénomène d'amour ou à comment gérer notre histoire d'amour, et eh bien tant mieux. Et deux ou plus si vous avez une relation polyamoureuse. Avec mon parcours et mon ressenti, j'ai l'impression qu'on peut être dans l'état amoureux sans avoir de l'amour, c'est-à-dire avoir cette obsession, etc. Et que quand celle-ci passe, on se retrouve à s'ennuyer avec la personne et on s'aperçoit qu'on l'aime pas réellement. Et à l'inverse, je pense aussi qu'on peut avoir de l'amour sur une personne sans avoir cet état amoureux. Comme si vous voyez le début du couple, etc., la séduction un peu foufolle, et eh bien elle durait très très peu dans le temps et ça s'installait directement en amour sincère et solide, comme un vieux couple au bout de quelques mois. Et eh bien moi, ça, je crois que ça existe. Même si beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, parce que pour eux c'est impossible d'avoir de l'amour si on n'est pas passé par cet état amoureux obsessionnel, alors qu'en soi, quand on aime nos parents, nos amis et nos membres de la famille en général, on n'a pas cet état amoureux et pourtant on aime très fort ces gens. En gros, t'as juste pas cette sensation obsessionnelle pour la personne, mais tu l'aimes vraiment, t'as envie de passer du temps avec elle, t'es heureux quand elle est là, etc. C'est hyper stable en gros, et des fois c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on recherche toujours cet état amoureux, mais est-ce qu'il est vraiment viable, est-ce qu'il est vraiment bon pour la santé mentale, ça je ne sais pas. Logiquement, pour moi, dans un couple, tu dois être toi-même, te tirer vers le haut, avoir des engagements, avoir plein de petites choses qui sont cool au quotidien. Genre, t'es sans façade, t'es toi-même à 100%, et c'est à partir de là où que les deux personnes sont elles-mêmes à 100% qu'on peut savoir si elles s'aiment ou si, en fait, c'était juste de la façade. Et en conclusion personnelle de cette vidéo, je pense qu'on peut dire que finalement, l'état amoureux n'est pas forcément le ciment du couple. L'affection n'est pas forcément le ciment du couple, même si c'est ce qu'on apprend à travers les séries et les films, pour moi, c'est un petit peu un mensonge. Parce que l'affection, finalement, c'est un petit peu traître. Surtout qu'on est très souvent bercé avec une citation qui dit « l'amour a aveugle », alors qu'en soi, pour moi, l'amour, non, en fait, elle te redonne la vue, c'est l'affection qui te rendrait aveugle. À cause de l'affection, tu crois aimer quelqu'un, donc tu donnes beaucoup à une personne, et finalement, eh bien, tu te fais un petit peu avoir. Genre, tu te fais duper parce que tu confonds l'amour et cet état amoureux qui n'est pas forcément réciproque et partagé. Et tu te retrouves donc à accepter tout et n'importe quoi, et souvent dans des relations toxiques, où la personne joue facilement avec cet état d'amoureux affectif pour te manipuler et avoir ce qu'elle veut de toi. Alors, on communique et on n'essaye pas de donner tout et n'importe quoi à la première personne venue. Oui, parce qu'il est très facile de s'attacher à la mauvaise personne. Et que finalement, l'attachement couplé à la peur de l'abandon, à une baisse estime de soi-même, à un manque de confiance en soi. Avec ce cocktail-là, on a de fortes chances de créer des relations toxiques à cause d'une dépendance affective. Oui, j'arrive. Et évidemment, oui, la dépendance affective arrive en vidéo très bientôt. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire, un petit like.